شوف اخويا قال لك كاين الغداء، واش هذا غداء؟ ابشر هذا يا هذا غامل، هذا غداء، هذا غامل. جابوا لنا راي دانون ديال الدراهم ومواطنين ديال الدرهم، حنا كاملين السلف قارو، حنا جعنا عباد الله. جينا قال لك اخويا شي بنت اغتصبها شي سعودي، وجينا باش نعاونو، جينا باش نديرو واحد الاحتجازيه على ديك البنت. ساعه لقيناهم تيسبوا ديك بن كيران، حنا ما دايرين لنا والو بن كيران. السلام عليكم. اللي كاين هاد الهضره اللي قالها، ما جايش على بن كيران، حنا طالعين باش نعاونو داك البنت. مي جينا لقينا فوضى على هادشي د بن كيران، هاد الحمله ديالهم. حنا طالعين خصنا 100 درهم، اللهم انا هذا منكر. Oh pardon, bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bon appétit si vous êtes à table vous aussi. Tiens mon petit, tu peux finir la banane, mais à condition de ne pas voter pour qui tu sais, on est bien d'accord. On va en parler de ce scandale d'État, la marche de la honte et des répercussions sur la campagne du PJD. Nous nous poserons surtout cette question, à quel jeu sommes-nous en train de jouer? Eh ben Allah, depuis le début de la campagne électorale, doit-on craindre le pire? Et pas que pour sa famille au lendemain du 7 octobre prochain. Réponse dans quelques minutes, si Dieu et ce téléphone le veulent. Et puis, deux procès font la une de l'actualité cette semaine. Nous parlerons, il a brallah, inch'Allah, rahman rahim, de l'affaire Catherine Laurent-Éric Grassi avant de passer au divorce annoncé de Brad et Angelina Pitt. Il paraît qu'il abuse un peu trop sur la boisson. Le mari, voilà pour le programme. Nous sommes le jeudi 22 septembre 2016. Et bienvenue, ici c'est le Moïm de l'info. Le PJD a-t-il d'ores et déjà gagné les élections du 7 octobre prochain? La question se pose malheureusement. La marche de dimanche dernier, c'est, vous le savez, retournée contre ses organisateurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, on adore cette expression des journalistes. Pour la petite histoire, les auteurs n'ont toujours pas revendiqué cet attentat pacifiste contre le PJD. Mais comme on est entre nous, élément de réponse, début de réponse, élément en image. شكون شكري؟ يا شنو لك راه صحاب المحلة هما اللي جمعوا، صحاب الانتخابات هما اللي جمعوا هادشي. ياه شمن حزب هادوك؟ هذا حزب التراكتور. هو اللي جابكم؟ اه. منين جيتو نتوما؟ دار بازا. دار بازا. اش كطالبوا؟ كطالبوا حقوق ديالنا واللي فيه خير الله يسهلنا عليه. اللي ما فيه خير الله يسهلنا عليه. ياك. شكون اللي جابكم؟ ها؟ شكون اللي جابكم؟ جابنا المقدم ديالنا بشعيب هيروشي. جينا باش جينا باش نحيدو بن كيران من الصحراء ديالنا. نجريو اه. شكون اللي جابكم؟ جابنا حيزون. اه كنقول انا بغيت بن كيران يحيد من هاد. علاش يحيد بن كيران؟ حيت بن كيران صفار كيدير بنادم رزقه اول حاجه، وبنادم معيش وغلى لهم المعيشه. حنا خويا جينا 1200 خرق مبني من الليل، المقدم اللي جا عندنا وتحمل بينا قال لنا غتمشي واحد نداء وطني، واحد الوقفه احتجاجيه ضد الارهاب. هذه قلنا ما فيها باس، مغاربه حنا كاملين من طنجه للقويره غنمشيو نديروا هذه الوقفه احتجاجيه. جينا لهنا تلقاو ارحال بن كيران، تلقاو السياسه، كنلقاو عالم اخر، ما فهمنا حتى حاجه. ديال ضد التجمع، ديال عدم التطرف. التطرف، عدم التطرف. شكون اللي متطرف دابا؟ نحن لا ماشي مهم. هلا قلت صافي صافي صافي. Alors, à mon avis, s'il y a eu une seule erreur de commise par on ne sait toujours qui, tant les versions se contredisent, vous l'avez entendu. C'est d'avoir laissé tout un tas de journalistes qui n'ont peur de rien ni de personne infiltrer cette manifestation, aussi spontanée soit-elle. Et je dis qu'il y a eu des coups de zarwata qui se sont perdus en chemin, et c'est pas peu de le dire. Quant à la réaction du chef du gouvernement, qui a acquis une stature, mais alors là, d'Oscar de la meilleure campagne électorale du siècle, Magneto Bahamid. إلا جيتيو أنتي ضدي فهمتيني ولا لا؟ عن حق أنا قابل. إلا غير تلعبوا بكم شي وحدين أنا مسامحكم، لأن أنتوما ما درتي والو.
noter le nombre de micros posés sur le bureau de Sibn Kiran. Même Saïd Mjarrad n'en avait pas autant pendant sa conférence de presse à ma voisine. Et c'est pas fini. Cerise sur le gâteau, ou la Habil Mlouk sur le Brer, d'autres médias bien plus professionnels à vue de nez affirment, eux, que ce sont des sympathisants du PJD qui auraient infiltré cette marche afin, je cite, de faire des déclarations dans le but de discréditer le PAM qu'on a accusé d'avoir payé le déplacement et la nourriture. Ah non, on ne rigole pas comme ça, Sibn Kiran, quand même. Un minimum d'autocensure. Tiens, en parlant du gouvernement qui nous gouverne depuis 5 ans déjà et qui risque, le doute n'y est quasiment plus, faute de suspense, de nous gouverner encore les 5 prochaines années, Aziz Rebbah, ministre du Transport et président PJD du Conseil de la ville de Qnitra, s'est fait tirer les oreilles par l'Union européenne pour avoir, je cite, envoyé un document financier illisible. Ce document financier concerne un projet d'électrification durable de la ville de Qnitra et qui a déjà pris, je cite, un an de retard. Non mais document illisible, c'est trop light là, l'Union Européenne. C'est pas suffisant pour faire perdre une élection au PJD. Document suspicieux, là ça pète. Document frauduleux. Alors là, on jette carrément tout ce beau monde en prison. For sure. On continue avec cette question qu'on se pose tous inconsciemment mais que personne n'arrive à formuler vraiment, même pas soi-même. Avec la tournure qu'est en train de prendre cette campagne électorale, que doivent penser les électeurs en ce moment? Je m'explique. Tout a commencé avec cette interdiction de diffusion des sondages d'opinion, contrairement aux élections de l'année dernière. Suite à quoi, le ministre de la Justice et des Libertés, Mustapha Ramid, s'est lui plaint sur Facebook d'avoir été mis à l'écart du processus électoral, contrairement à l'année dernière. La candidature de Hamad Qbaja, elle, vous le savez, était invalidée par le Walid Marrakech, ce qui est une grande première dans l'histoire électorale du pays, selon Média 24. Sans parler de cette ONG internationale, même américaine, qui s'est plainte du refus des autorités marocaines d'accréditer ses observateurs. Ajoutez à cela la marche de dimanche dernier. Ça commence à être suffisant pour être en droit de se demander si ces élections ne risquent pas de tout. Je crois que j'ai poussé le bouchon un peu trop loin. Monsieur le Président, respect et soumission. À vous, Saad Al-Raïs. Pardon ? Vous voulez que je commence à vous envoyer mes textes pour les valider vous-même avant d'enregistrer? Vous êtes sûr d'avoir le temps et les compétences pour ça, Saad Al-Raïs? Non, je pose juste la question. Bien, Président, je monte vous voir immédiatement après le journal. Bien, Président. Bien, Monsieur le Président. À tout de suite. Alors là, conseil de discipline assuré. On poursuit, mesdames, messieurs, avec l'affaire Catherine Laurent et Éric Grassier, dont le procès a pris une tournure pour le moins inattendue en cours de cassation. Oui, oui. Mais arrêtez de crier comme ça, Monsieur le Président. Toute la presse nationale en parle. On va quand même pas faire l'impasse dessus. Un peu de courage. Laissez-moi terminer ce journal dignement, Saad Al-Raïs. Président. Président. Et il m'a carrément raccroché dessus. Non, franchement, merci de nous avoir suivis. Force est de constater que c'est trop tendu en ce moment pour faire un journal complet et de qualité en même temps. Entre l'autocensure et la censure, nous n'y arriverons pas. Je vous donne donc rendez-vous dans une semaine, si tout va bien, pour un numéro apolitique, promis juré, Saad Al-Raïs, de Mouhim de l'Info. Ya